Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Et il y a le bus qui passe juste à ce moment-là. Alors, on va commencer par le petit week-end. Je suis un peu haute là, je me tasse. Oh là là, il faut que j'arrête de me tasser comme ça. Voilà, comme ça je peux me tasser. On va commencer par mon petit week-end. Regardez qui écoute ce que je dis. J'ai un petit bouton à la nuque là qui me fait super mal. Je crois que j'ai été piquée. Alors, week-end, attendez, je prends. Ça a été un week-end particulier. Très particulier. Attendez, je trouve plus mon carnet. Il y a trop de choses dans mon carnet. Beaucoup trop de choses. Alors, vendredi, j'ai fait la peinture de ma fairy house. Vous voyez pas mon étagère, là, comme chemise. Oh, mais là, vous voyez le bordel. Tant pis, vous êtes habitués. Hein. Donc, je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. La vidéo viendra plus tard. Je ne sais plus quand. Le 25. Ouais. J'ai pris beaucoup d'avance hein, pour pouvoir jouer. Alors du coup, en parlant de mon jeu, je vous montrerai dans la semaine, on fera quand même un petit j'ai été piqué là aussi ou... Non, ça doit être un petit bouton de chaleur encore. Bref, donc j'ai attendu mon jeu. Alors il avait été annoncé à minuit. Donc j'avais dit, je le lance pas à minuit, je vais me coucher et je le lance le lendemain matin quand je me réveille pour l'école. Je regarde, il était toujours pas en truc. Donc je regarde sur internet. Je me dis, il y a peut-être un décalage horaire. Donc, je regarde pour le décalage horaire et ça faisait vers 9h. Donc, j'attends 9h. Je fais ce que j'ai à faire, ça. 9h, toujours pas dur. Je regarde sur Steam et c'était annoncé dans X heures. Donc, ça faisait 17h. Oh, cool. 17h, je me connecte pour l'installer. C'était marqué dans moins d'une heure. Donc il s'est installé qu'à 18h. Donc j'ai attendu toute la journée, j'ai pris plein d'avance toute la semaine pour pouvoir jouer le vendredi, samedi, dimanche non-stop. Ben, le samedi et le vendredi, j'ai déjà dû attendre 18h. J'installe mon jeu. Pourquoi il voit lui? Qui a été super vite installé. Donc j'étais content. Donc je commence à jouer. Il y a un dictatel. Sauf que j'ai fait une fausse manip au bout d'une heure de jeu. Et ça a fermé le jeu, sauf que ça n'avait pas sauvegardé beaucoup. Ça avait vraiment sauvegardé que le début du jeu. Donc j'ai dû recommencer. Pile où j'arrive, au moment où j'étais, où ça a coupé, où j'ai coupé, hein, c'était de ma faute, hein, j'ai fait une fausse manip. 10h, on toque. J'ai dit 10h, qui c'est qui vient 22h. C'était mon frère. Je vais boire le café. Bon, d'accord. Il est reparti à 2h du matin. Donc j'ai été me coucher après, donc j'ai pas joué la soirée, vous voyez. Donc j'ai pas pu beaucoup jouer. Bon, on a passé une super soirée, hein, on a bien rigolé et tout. Du coup, le samedi, j'ai fait que jouer. Enfin, je me suis fait à 11h. 11h15, je crois même. Donc j'ai super bien dormi parce que j'ai été me coucher à 2h. Je fais quand même 9h, presque 9h30 de sommeil. D'une traite parce que j'avais pas mis ce patate avec moi. Elle restait en bas avec chérie, donc du coup lui il a mis la barrière pour pas qu'elle puisse monter. Elle a passé la nuit en bas et du coup j'ai super bien dormi. J'étais en forme. J'étais bien reposée et tout. Après j'ai joué. Voilà. Je me suis levée, j'ai fait mon petit café, mon petit pipi et tout. Et j'ai lancé le jeu. J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. À 16h, il y a mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont passés pour venir chercher Sam pour aller à la foire à Luxembourg. Lily n'était pas là, il était juste sa copine, mais bon, ils ont été pêchés après là-bas, c'est tout près, hein, donc voilà. Et du coup, j'ai viré monsieur. J'ai dit, va avec. Lui, il aime bien hein, tout ça. Moi, j'aime pas les manèges à sensations et tout ça. Moi, les stands préférés dans les fêtes foraines, c'est la bouffe. Voilà. Donc, je l'ai viré, je lui va avec. Au départ, il me dit, oh, pas non, si tu viens pas, bon, allez, vas-y, amuse-toi et tout.
Ok, parti avec. J'étais tranquille. Une jour, il était pas allé chez sa copine. J'étais toute seule à la maison. Donc, j'ai bien joué. J'ai bien joué. Et j'ai fait quelques petites modifs dans mon étagère. Je vous montrerai après. Là, il faut que je fasse les poussières et que je continue à mettre le fond d'automne. Pareil en haut. Donc, on fera ça cette semaine. Dimanche. Dimanche, c'était carnage budgétaire. On a dépensé 1000 euros sur la journée. Je vous explique. Donc, j'ai refait une commande Temu. J'en ai refait une ce matin, hein, au passage. Mais moi, il suffit que je vois que c'est marqué presque épuisé. Je fonce, quoi. Je valide. Je valide pour être sûr de ne pas tomber à court. Enfin, que ça ne soit pas en rupture. Alors qu'il restocke régulièrement. Hein. Mais dans le doute. Voilà. Donc, j'ai refait une commande ce matin. Donc, j'attends encore 3 commandes. J'en ai une qui arrive aujourd'hui. Donc, de la première partie que j'avais commandée. Et j'en attends 2 qui vont arriver la semaine prochaine. Donc, j'ai fait mes petites commandes Temu. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, c'est la fête. Donc, je vais attendre de voir lundi ou mardi si je les reçois. Comme ça, je les inclus dans le haul. Sinon, tant pis, je vous montrerai juste les images. Donc, celle que j'ai fait hier, c'était 15,63 €. Alors, tout ça parce qu'il y avait des stickers dragon qui étaient marqués presque en rupture. Donc, j'ai voilà. Du coup, j'en ai pour 15 balles, hein, pour les 3 € de stickers. Et aujourd'hui, 16 € pour 3 pièces. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas marqué presque en rupture, mais je suis tombée sur un t-shirt Axolot encore. Et je le fais. Voilà. Et après, j'ai enchaîné. J'ai mis dans mon panier plein de fringues. Enfin, de t-shirts et de pulls. Surtout de Noël. Ça sera le prochain haul, ça. Donc, voilà. Et j'ai commandé ma palette sur Monolith, que j'attendais depuis... que ce soit restocké depuis un bon moment. Il n'y a toujours pas la palette d'highlighter que je veux. Elle m'a dit... j'ai discuté un peu avec la personne. Et elle m'a dit que... ils ne travailleraient plus avec cette marque-là parce que c'était pas sérieux. Eux, on attend la commande depuis mars. Ils avaient annoncé mi-juin la sortie sur le site et ils n'ont toujours rien reçu. Donc, ils sont un peu dégoûtés. Elle a dit c'est une marque hyper chère et du coup, pas sérieuse du tout. Donc, ils ne travailleront plus avec. Mais ils attendent toujours ces deux pièces de la collection. Et j'aimerais quand même bien cette palette là qui sera à 60 €. Là la palette elle est à 60 € aussi, 59,50 €. Sauf que ben c'est un site suisse, donc il y en a pour 11,50 € de frais de transport. Voilà. Donc ça sera un swatch and make-up que vous aurez normalement mercredi. Ensuite on a commandé avec Chéri. Ah oui, j'ai peint mon chapeau de sorcière. Entre temps, hein, j'ai joué entre temps, hein, bien sûr. J'ai passé mon week-end sur le jeu. J'ai peint mon chapeau de sorcière, je viens de le terminer ce matin, donc je vais vous montrer ça après. Et on a commandé le meuble et la paroi de douche, le meuble de la salle de bain et la paroi de douche. Plus le cadeau de Noël pour ma belle-mère. L'évacuation de la douche, on a commandé aussi, donc on a tout pris sur Amazon. Y a des pièces qui vont arriver assez vite, là je crois que les meubles arrivent demain, je crois. Je passionne encore, hein. Les meubles arrivent demain, je crois. Et la paroi de douche, c'est un peu plus tard parce que je suppose que... Non, fil, qui doivent voir avec les camions de livraison de vitres, hein, parce que c'est quand même assez imposant. On a pris sur 2 mètres sur 1,50 m. Et voilà. Donc, ouais, je vous ai probablement affiché les images du meuble et le robinet aussi. On a pris, je voulais un cascade, donc j'ai commandé un évier... robinet cascade, puisqu'il n'y avait pas le robinet compris dans le... Alors, il y a tout. Il y a le meuble, les deux colonnes, le miroir, le lavabo, mais il n'y a pas de robinet. Voilà. Et du coup, j'en ai trouvé un pas cher en cascade comme je voulais, donc je suis contente. Il reste à acheter le plafond, et puis bon, tout ce qui est ciment et tout ça aussi. Hein. Et tout le reste, on a. Donc, chérie va pouvoir commencer à tout péter. Et voilà, donc là je vais vous montrer mon chapeau de sorcière que j'ai fini ce matin. J'ai collé les petites décos ce matin. Ta-da-da-da-da. Trop beau. Je suis trop
trop contente. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Donc ici, j'ai mis un petit gugus. Donc c'est un gugus, c'est des petits gugus qui finissent phosphorescents, là, vous savez. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis un petit pompon ici. Les plumes, je les ai fait en mauve. Vous voyez, j'ai laissé le chapeau noir mat et le reste, j'ai mis en chrome. Donc j'ai fait les plumes en bleu mauve, comme ça. Les fleurs en un peu bordeaux. Les feuilles vertes, bien évidemment. Donc ici, j'ai remis deux petits gugus, une citrouille et un balai de sorcière. Là, il y a encore le petit chat, les petits gugus. Ici, on a les petites potions et un petit crâne. Voilà. Je trouve ça très beau. Et pour la déco d'Halloween, ça sera vraiment top. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Pour ceux qui me suivent sur Insta, logiquement, vous l'avez déjà vu parce que je vais filmer un micro réel pour mettre dessus. Et on va pouvoir passer à Nox, hein, le colis qui traîne là depuis la semaine dernière. Donc, je vous rappelle les promos. Je vous affiche le code. Et je vous rappelle les promos, donc c'est du 19 au 30 septembre. Vous avez 20% de réduction sur tous les produits, donc pour les bijoux aussi. Et vous recevez un roll-on avec le parfum 25-19 Carolina Herrera Good Girl Blush. Donc c'est une nouveauté. Je crois que je vous ai bien tout résumé. De toute façon, vous avez mon code qui est noté en barre d'infos et le lien direct avec mon code qui s'affiche directement dans votre panier, je crois. Il me semble. Hein, donc, moi, j'ai pris, j'ai repris le parfum pour les garçons. J'ai repris un Mikado parce que vous savez à quel point j'adore les Mikado. C'est vraiment mes produits préférés chez eux, c'est Mikado. Il y a le petit roll-on en cadeau, comme ça je vais pouvoir sentir le parfum. Et j'ai pris un parfum pour moi, ça me faisait très envie. Et voilà, je crois que c'est une nouveauté aussi. Alors le Mikado, je ne sais plus c'est quel parfum que j'ai pris. J'ai pris quoi, je vais vous dire. Mikado propre, c'est le M29. Donc il sent le propre. On va ouvrir ça. Il n'y a pas de scotch. Moi j'adore leur Mikado. Je trouve qu'ils sentent super longtemps. Les petits bâtonnets sont blancs, ça dépend un peu. Vous avez des noirs ou des blancs, je crois. Et peut-être même des naturels, je ne suis pas sûre, mais. Je pensais que j'ai des tours en noir quand c'est des blancs, ça change un peu. Après ce que je fais quand ils sont vides, je garde. Ah et le truc il est noir, alors que d'habitude c'est un. Ça change. Quand ils sont vides, je rajoute, je remets du parfum dedans. Je transfère un parfum que j'aime moins ou que j'ai presque fini. Ou voilà. Donc, cette fois-ci, c'est l'inverse. Les bâtonnets sont blancs et le pot est noir. Classe. Voilà, d'un côté c'est marqué Mikado, de l'autre Nox. Vous avez, c'est toujours scotché ici pour pas qu'il s'ouvre pendant le transport. C'est toujours très bien emballé chez Nox. Vous avez tous les petits chreleleux là en frigolite. Chreleleux. La petite. Truc argenté pour faire joli et je vais le sentir. J'ai le scotch qui m'emmerde. Je vais essayer d'ouvrir sans m'en foutre partout. À chaque fois que je les ouvre ces trucs là, je m'en fous partout. De toute façon, je vais l'installer, je vais le mettre dans mon fond là parce que j'ai fini. J'en ai toujours un aux toilettes et toujours un ici. J'en ai encore un autre qui est pas ouvert. Oh, ça sent super bon. Ah oui, ça sent vraiment le propre. Hein. Ça sent la lessive. Oh, j'adore. Ça sent super bon. Ça sent le dash. Donc, je vais déjà mettre mes petits bâtonnets dedans. Elle est en train de défoncer son ballon. Là. Donc, en principe, je le retourne une fois par semaine. Je retourne les bâtonnets. Et voilà. Ça présente très bien, ça fait des super beaux cadeaux. Donc pensez bien à vos cadeaux de Noël. Hein. Je vais le retourner une fois. Je
vais laisser imbiber un peu les tigettes et puis je le retournerai pour que ça sente bien. Je vais pas le laisser trop longtemps à côté des titis par contre. Alors, les parfums, donc il y a un homme et une femme, le 246, c'est le Wanted de Azzaro pour les garçons qui n'arrêtent pas de se battre pour ce parfum. Chérie, il y a le vrai et ça sent exactement la même chose. Donc je vais vous donner les notes. Ah, il est mat le capuchon, tiens. Capuchon argenté pour les hommes. Donc Enzo est content. Sam aussi, parce que l'Iral, parce qu'il n'y en a plus. Alors, le 246, c'est Wanted de Azzaro. Et je vais vous donner les notes. Attendez, j'ai screen. Eau de toilette Azzaro Wanted est le parfum de l'homme à qui tout réussit et pour qui rien n'est impossible. De l'homme indépendant qui aime vivre comme bon lui semble, et on s'en fout. Notes de tête sont citron, gingembre, lavande et menthe. Notes de cœur, cardamome du Guatemala, genévrier, pomme et géranium. Notes de fond, vétiver de Haïti, fève de tonka et amberwood. Voilà pour celui-là. Et moi, j'ai pris le 905, le Velvet Orchid de Tom Ford. Donc, on va sentir ça. Note de tête, rhum, miel, mandarine et bergamote. Note de cœur, orchidée noire, orchidée, jasmin, héliotrope, jacinthe, huile essentielle de rose, jonquille, magnolia et fleur d'oranger. Note de fond, vanille, myrrhe, d'un. Boîte santal, baumier et baumier du Pérou et ciste. Alors ciste, je ne sais pas du tout c'est quoi, baumier non plus. Tiens, je ne comprends pas non plus. Il y a du boîte santal. Il y a de l'orchidée. C'est des odeurs que j'adore. Bergamote, j'aime beaucoup aussi quand il y en a dans les parfums. Donc on va sentir ça ensemble. Si je reste ouvert. Ah bah tiens, c'est un capuchon argenté aussi. Bon, après je m'en fous. Mais c'est en mat. Oui, il a l'air de sentir super bon. Il est très boisé, hein. C'est ce que je préfère. Il sent super bon. Je vais attendre un peu qu'il s'évente. Et du coup, on a le petit roll-on offert. Donc, c'est le... Il ne donne pas les notes, je crois, pour celui-là. 25-19. Attendez, je vais voir sur le site s'il donne... S'il donne le truc. Elle est en train de défoncer son ballon, là. Alors, recherche. Mais non, je vais pas recevoir des good girl blush. J'arrive pas à enlever les trucs. Note de tête, bergamote, amande amère. Note de cœur sont pivoine et ylang-ylang. Note de fond, vanille et coumarine. Alors coumarine, je ne sais pas c'est quoi non plus. Le ylang-ylang, j'aime bien aussi. Il veut pas sortir, hein. Tout pour m'énerver, hein. Donc ça, c'est pratique pour les petits formats voyage. Je pète les bulles au passage. Alors, quand je vous dis que c'est bien emballé, hein. J'arrive même pas à le tirer. On va l'enlever en tirant. Voilà. J'y suis arrivée. Donc c'est quand même un beau format. Je ne sais pas s'ils disent le format. Là, c'est pas marqué. Est-ce qu'ils me le disent dans le mail?
Non, ils disent pas le format. Oh, c'est très frais. Oh, ça sent bon. Il est beaucoup plus fleuri celui-ci, hein, l'autre est beaucoup plus boisé. Mais celui-ci pour le printemps-été. Hein. Ouh, ils sont super bons. Avec tous les parfums, ça me gratte la gorge. Et je crois que le Good Girl, c'est pas le flacon en forme de rouge à lèvres, ça. Ah non, en chaussure. C'est celui en forme de talon aiguille. Mais c'est Cacharel, je crois, le. Celui en forme de rouge à lèvres. Il doit pas être tenu celui-là. Il y a 4 sortes. Il y a le Good Girl Blush, le Good Girl Suprême et le Very Good Girl. À partir de 86 euros, 100 euros, 116 euros. Après, c'est du 80 ml, en 30 ml. 83 euros. Ils disent les notes pour celui-là, là. Je suis sur Sephora. Ingrédients, non. Note olfactive. Oriental gourmand, note de tête, fruits des bois, note de cœur, jasmin d'Égypte et fleurs d'oranger, fèves de tonka et vétiver pour les notes de fond. Du coup, je suis sur Sephora en train de regarder les autres notes, les autres parfums. Et ils avaient déjà 22 minutes que je suis en vlog. Celui-là, il est en promo. 70, ah non, il est un peu moins cher, le Good Girl classique. Il a 77 euros les 30 ml. En 50 ml, 83,25 euros. C'est cher. Note de tête, amande. Note de cœur, tébureuse et jasmin sambac. Note de fond, fève de tonka et cacao. Faudrait que j'aille les sentir, tiens. Après, je trouve pas que c'est des bouteilles super. Et le Very Good Girl, du coup, c'est quoi les notes? Litchi. Ah! Rose, vétiver et vanille. Oh, il faut que j'aille le sentir, celui-là. J'adore le litchi. Ah, il y a un Girl Glam, là aussi. Évidemment. Floral boisé, cerise noire, ça aussi j'adore. Amande amère, rose, vanille bourbon et vétiver. C'est rare du vétiver dans les parfums femmes. C'est en principe, c'est typiquement pour les hommes. À sentir. J'irai une fois quand je passerai devant chez Sephora, j'irai sentir. Tiens. Et voilà. Donc vous savez qu'il y a une promo, vous avez moins 20%. Ils sont super bons, hein. Donc vous avez le petit roll-on en cadeau en plus. J'adore. Les deux, je suis totalement fan. Je suis super contente. Donc n'oubliez pas qu'il faut commencer à préparer le cadeau de Noël. Donc 20% c'est bien. C'est très bien. C'est toujours bon à prendre. Hein. Et voilà. Et en plus, si vous passez une commande, moi je gagne 15% dessus. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Voilà. Bon, sur ce, bah écoutez, on va switcher de jour. Moi, je vais rejouer un peu, là. Il est déjà 10h30. J'attends de voir si le facteur m'amène un colis aujourd'hui ou pas. Après, j'ai ma commande Temu qui doit arriver, mais ça, c'est colis privé. Donc, j'espère juste qu'il va pas venir tant que je suis chez la kiné. Mais bon, au pire, il y a Enzo qui sera là. Ça ne sera pas encore rentré. Donc, Enzo sera là, ça va être Vivis qui surveille. Et voilà. Donc, on suit toujours. Oh, attendez, je coupe le son.
Alors, il est 10h10 très précisément et je viens de passer de mamie plus plus à mamie moins moins. Voilà, j'ai fait ma colo. Et j'ai Riley, je suis décalée parce que j'ai Riley qui est couché juste là dans mes roulettes. Elle se bouge. Elle se bouge. Donc, l'heure est grave, les gens. Mais vraiment très grave. Hier, j'ai fait un big craquage. Alors, quand je vous dis big, c'est hyper big. J'ai commandé donc le calendrier de l'Avent DM, puisque c'était mon préféré de l'année dernière, en soins. Donc, je l'ai commandé. On va le chercher samedi. Non, enfin, je l'ai fait livrer dans une boutique en Allemagne, la plus près de chez nous, à Pearl. Donc, on va le chercher. J'espère qu'il sera arrivé samedi pour aller le chercher. Sinon, ça ferme à 20h. Donc, on ira peut-être... bah non, lundi, j'ai le kiné, donc ça va pas. Peut-être mardi, si jamais il n'arrivait pas avant samedi. Donc, celui-là, ça va. Par contre, ce qui est dégueulasse, c'est que... bah, il est à 17,90€, je crois. Ce qui est dégueulasse, c'est que même en faisant livrer dans un autre magasin, j'ai les 5€ de frais de port, quoi. Ça, c'est un peu dégueu. Hein. Mais à mon avis, il les envoie par la poste quand même. Et j'ai acheté le Pélouis. 250 balles. Plus 24€, je crois, de frais de port. Ou 21€ de frais de port. Enfin, plus de 20 balles de frais de port. En sachant qu'il y a des risques de douane en prime. Eh, mamie, elle est tarée. Je l'ai fait livrer chez mon frère. Comme ça, je me suis dit, peut-être qu'en France, il sera un peu moins... il y aura un peu moins de risques. Puisqu'il y a plus de colis qui passent. Hein. Alors, je vous montre le réel. Je ne sais pas si vous avez vu... sur Insta, mais il est juste sublime, quoi. Il est splendide. J'aime trop. Il est canon, mais vraiment, vraiment, vraiment canon. Enfin, voilà quoi. J'ai craqué. Mais je me suis dit, comme ça, j'ai pris le DM et j'en prendrai pas d'autres. Puisque l'année dernière, j'ai quand même acheté le Glam Shop qui était déjà à 150, je crois. Il était plus de 100€, ça, c'est sûr. Et il y avait aussi des frais de port. Donc, je me suis dit, bah, ça fait qu'une différence de 100€. L'année dernière, j'en avais 5. Cette année, j'en aurai 3. Donc, les soins Action, le spa exclusif, le DM... et du coup le Pélouis. Et le Pélouis, je pense que je vais filmer des petits réels tous les jours pour le déballage des cases, tellement c'est beau, c'est beau. Et j'ai regardé le unboxing de celui de l'année dernière, et franchement, l'année dernière j'avais déjà hésité parce que je le trouvais tellement beau, mais on n'a aucun spoil, hein. Chaque année, Pélouis, il n'y a pas de spoil, ils les envoient le plus tard possible pour pas qu'il y ait justement de vidéos unboxing qui circulent trop tôt et tout ça. Et du coup, quand j'ai vu le prix, j'ai dit non, je ne mets pas ce prix-là, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans et tout. Donc j'avais zappé du coup, là, j'ai été regarder le unboxing de celui de l'année dernière et il valait déjà vachement le coup, quoi. C'est que des full size, il y a des soins, il y a du make-up, il y a certaines cases où il y a plusieurs produits à l'intérieur. Enfin, voilà, quoi, c'est... Là, il a 250€, mais il a une valeur réelle de 500€. Donc, et ça me permettra de mieux tester la marque, puisque moi, j'ai testé que la base, dont je ne suis pas super fan, et la palette supérieure que Maryse m'a offerte, et j'ai adoré les fards. Donc là, je me dis, voilà, je pourrais tester plus en profondeur, et on fera le crash test avec Manon, puisque Manon, elle a craqué aussi. On fera le crash test normalement le 30 décembre si Manon est en forme pour le filmer et le monter et le publier dans les 5 jours après ouverture, puisqu'il y a 25 cases en plus. Donc voilà, mais de toute façon vous les verrez dans les Vlogmas, hein, les déballages des calendriers, je serai comme l'année dernière. Et voilà. Donc bicraquage.
Bon, chéri m'a dit que s'il regagnait sur son jeu, il me remettrait les sous de côté, puisque forcément, j'ai pris les sous que j'avais de côté pour mes dents. D'ailleurs, il faut que je téléphone chez le dentiste. Là, je vais vous montrer, parce que j'ai du coup modifié l'étagère. J'ai fait les poussières ce matin. Je vais vous montrer ça. Après, je vais préparer le colis de la gagnante du concours. Donc, on m'a déjà envoyé des messages pour me demander comment... Quand est-ce que ça serait annoncé et tout ça, j'en vois par mail. Je me dis dans la vidéo du concours que j'informe moi-même là où le gagnant, enfin la gagnante ou le gagnant par mail directement. Et voilà, donc j'ai déjà fait le tirage, j'ai envoyé le mail, la personne m'a déjà répondu avec ses coordonnées. Donc là, je vais le préparer, comme ça, chérie peut aller le déposer demain en rentrant du travail. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve donc après le prochain concours, ça sera pour Noël, donc le 1er décembre comme chaque année. Mais cette année, vous n'aurez qu'un lot, les gens. Hein, voilà, j'ai beaucoup craqué. Donc, je limite. Hein, je dépensais pour moi, pas pour vous cette année. Voilà. Bah, je vais vous montrer mon petit étagère. Et puis, on pourra se laisser là pour aujourd'hui. Hein, j'avais rien d'autre à vous dire. Ouais. C'est tout. Là, j'ai plein de choses à faire. J'ai super mal dormi. Mais alors, quand je vous dis super mal, c'est super mal. Genre, je pleurais dans le lit cette nuit. Je suis montée me coucher à 11h30 parce que j'étais fatiguée. Et je ne savais pas comment mettre mes jambes parce qu'elles me faisaient mal. J'avais les jambes qui me brûlaient. Je ne trouvais vraiment pas une position où j'avais pas mal. Et... pour finir, quand Thierry est monté se coucher, j'ai mis mes jambes sur lui pour les surélever. Ça a été un peu mieux, mais après j'avais trop chaud, parce que j'ai une vraie bouillotte, j'avais trop chaud les jambes, je suais des jambes, ça me brûlait, j'avais l'impression que mon sang était en ébullition. Et pour finir, je m'énervais tellement à ne pas trouver de position et savoir dormir que j'ai fini par pleurer. Et puis pour finir, j'ai quand même réussi à m'endormir, mais il était tard, et je suis réveillée depuis 5 heures, je crois. 5h ou 5h30. Donc voilà quoi. J'ai très peu dormi. Donc aujourd'hui je devais tourner une vidéo make-up, mais je la tournerai demain. Comme ça demain je vous montrerai le fond d'automne en haut, puisque je l'ai installé ce matin aussi. Oui, voilà, le matin je suis très productive. Hein, bien que je n'ai qu'une seule envie là, c'est d'allumer mon PC et de jouer. Y a un montage que j'ai à faire et j'ai une vidéo à terminer. Faire le montage de cette partie du vlog, rajouter les photos de la salle de bain, parce que j'ai oublié de vous les mettre sur le montage d'hier, enfin d'hier pour moi. Hein. Et j'aimerais bien faire de la résine cet après-midi, après ma sieste, si je fais une sieste. Mais j'attends, j'ai le robinet qui arrive aujourd'hui, et je ne sais pas quand. Je ne sais pas à quelle heure. Donc je vais voir si je sais faire une sieste, si je sais faire de la résine, sinon je la ferai peut-être ce soir. Je ne sais pas, je vais voir. Et voilà. Donc je vous ai mis un sondage sur Insta aussi pour savoir pour le live du 22. On se refera un live le 22 pour voir si vous préfériez DIY ou jeu. Et finalement c'est jeu qui est ressorti, j'étais étonnée. Donc c'est bien, ça vous plaît, je suis contente. Donc je vous montrerai Fae Farm. Je vous montrerai quand même dans bon, le vlog, hein, parce que voilà. Bref. Et donc la prochaine fois on fera des potions, puisque après j'avais mis un sondage pour savoir si vous préfériez que je fasse de la fimo, du démoulage de résine ou des potions. Et c'est les potions qui sont sorties, sauf que j'ai dû décaler la date du live, puisque j'ai une vidéo potion qui sort le même week-end que était prévu le live. Donc on se le fera la semaine d'après. Voilà. Bon, allez, je vous montre mon étagère, comme ça après je peux vous laisser et faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, j'arriverai pas à vous montrer tout d'un coup, mais du coup j'ai mis le cadre que Maryse m'a fait. J'ai bougé ma chouette, d'ailleurs elle colle, elle a collé au mur. Bon, j'ai bougé mes trucs là. Là il y a toujours mon capteur de rêve. J'aimerais bien repeindre, voyez ici, je sais pas c'est quoi qui a frotté comme ça. Ici c'est la cage, la barrière des chichous qui abîme. Mais bon, après oui, ça fait quelques années maintenant qu'on a peint. Là aussi j'ai un truc qui a gratté le mur, enfin bref. Donc j'aimerais bien repeindre. Donc là j'ai mis ça. Donc ça vous avez vu en vidéo. La petite potion aussi. Enfin voilà.
Ici, j'ai toujours mes dragons et mes décos là. Je ne sais pas comment dire, mais bref. Et ici, alors j'ai changé, j'ai pris une boîte que j'ai mis avec le papier, vous savez, que vous pouvez coller sur les meubles et tout ça. Là, c'est la boîte Jeffree Star des rouges à lèvres, des mini rouges à lèvres verts, là, de Blood Money. J'ai remis ma chouette ici. Donc, on a mon petit Wapiti. Ça, c'est une vidéo qui arrive ou que vous avez déjà vu, je ne sais pas. Mon Kitsune, mon hibou, le petit chat aquatique et le petit mouton qui a l'air déprimé. Mes deux dragons comme ça, celui-là et la petite boule de Maryse. Et en dessous, oh, attendez, je me mets accroupi. Donc là, j'ai remis une boîte. J'ai mis un rondin pour mettre ma mandragore dessus. Je trouve que ça donne trop bien. Faut que j'essaye d'en retrouver les rondins. Ça présente trop bien dans l'étagère. Voilà, mon petit hibou qui a une oreille de cassé. Merci bébé Luna. Ma petite souillon que j'aime trop. Là, j'ai mis mon truc Nox, du coup. Ma petite maison champignon. Et ma fairy house d'automne que j'ai mis sur deux rondins superposés comme ça. Et j'ai mis les petits bambis juste ici. Et en tout, il n'y a rien puisque là, bébé Luna arrive à y aller. Enfin, les chichous arrivent à y aller en général. J'aimerais bien racheter des tiroirs en case et tout en dessous, ben, c'est des trucs pour eux jouer, pour éviter qu'ils mangent mon meuble. Mais voilà, je trouve que ça donne très bien. Vous voyez pas tout. Voilà, comme ça. Je trouve que ça donne très bien avec le cadre de Maryse aussi. Du coup, j'ai mis les cadres de mon papa à la salle à manger. Et voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on peut switcher de jour. Alors, il est 9h30. Oui, aujourd'hui, ça va être vlog au téléphone. Voilà, parce que j'ai des choses à vous montrer dans l'autre sens. Oui, je viens, ça décongèle. Ouais. Donc là, j'attends ma palette qui arrive aujourd'hui. Comme ça, je pourrais filmer le swatch de make-up demain. Je suis bien contente. Hier, j'ai fini deux petites vidéos bricolage. Et j'ai plus que les close-up à tourner. Et je vais tourner la dernière partie du hall Temu. En sachant que j'ai encore de faire une demande. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je vais vous expliquer ça maintenant et pendant le hall. Mais comme j'ai pas tout reçu, je vous mettrai les photos parce que je vais pas attendre, sinon ça va faire trop tard. Ça va. Ou alors je décale d'une semaine. Je sais pas. Je vais voir. Voilà. Il a faim. Donc hier j'ai fait mes deux petits bricolages. Donc vous pouvez en voir un ici, ici, voilà. Et ici, voilà. Je suis trop contente. Franchement, c'est très beau. Et j'ai démouli hier la résine que j'ai fait avec les pièces de Maryse. Donc je vais vous montrer ça. Ensuite, j'irai vous montrer le fond en haut. Puisque j'allais chercher mes chaussettes, j'ai oublié en haut, j'ai les pieds gelés. Oui, ça caille, hein. Je sais pas combien j'ai fait, mais ça caille. Donc je vous montre déjà ça. Donc on commence ici, j'ai fait ce petit bougeoir ici, trop beau, trop beau, trop beau. Et les deux petits gnomes, alors il y avait deux moules de gnomes, c'est deux fois le même, dommage, du coup j'ai commandé les deux autres qui me faisaient envie. Il y en a plein, je vais me faire une armée de gnomes je crois pour Noël. Celui-là j'adore, voilà, je l'ai fait avec le reste du pot que j'ai fait. Il est trop beau en pastel comme ça. J'ai juste mis du feutre argenté sur les détails. Et ils vont commencer à se battre. Ici, je l'ai fait pareil avec un fond et j'ai mis les détails dorés. Et celui-là, il fallait rejoindre le petit colis que je vous prépare pour le concours de Noël. Il sera pour vous. Voilà. Mais coup de cœur sur le moule gnome. Alors, j'ai fait les trois là. Alors, le nounours fleur, c'est beau jusqu'à la tête. Il a une tête vraiment trop chelou. Il y a des petites boules. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Pour les yeux, que j'avais mis en noir. En fait, le mieux, c'est de rien faire. De le laisser comme ça, je pense. Là, je vais coller des yeux par-dessus. Parce qu'avec les deux bouboules noires, là, c'était encore plus moche. Mais il est vraiment pas beau comme ça. Il fait peur. Le petit chien. Voilà, je l'ai fait avec vraiment un reste de résine pour voir à quoi il ressemblait. Pareil pour le nounours à côté. Il est trop beau. Alors, il est mat. Le moule est mat. Bon, ici, avec le gros feutre, ça a un petit peu débordé. Mais il est trop beau, je lui ai fait le nez et le nœud en doré. Donc pareil, je vais vous le mettre dans le lot du concours. Voilà, je suis désolée pour les petites bavures ici avec le feutre. La prochaine fois, je vais essayer avec de la peinture acrylique et enfin, un pinceau liner. Et gros coup de cœur sur ce moule nounours aussi, il est trop beau. Donc là, pareil, vous voyez avec mon feutre, ça a débordé ici. Bon, de face, ça ne se voit pas trop. J'ai fait les patounes, le nez et tout. Mais je vais vraiment essayer avec la peinture acrylique, voir si ça tient dessus.
Riley a mangé mon feutre de chez Madame Glam. Bien sûr, elle a mangé le noir, hein, pas le blanc. Elle a mangé le noir. Donc là, Madame Glam, comme je rattends une collab, elle a dit qu'elle allait me le remettre dedans. Voilà, donc coup de cœur pour ce moule. Le petit chien, j'aime beaucoup. Coup de cœur pour ce moule. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-ci, j'aime un peu moins. Franchement, je vous le dis, il est super beau. Hein. Franchement, c'est vraiment la tête qui pêche. Je ne sais pas pourquoi. Les détails sont bien faits, mais ils n'auraient pas dû mettre de neneuil, en fait. Et alors, big coup de cœur pour la boîte. Ah, je voulais vraiment la faire en pastel. Quand j'avais vu le moule, parce qu'il me faisait envie ce moule-là, je l'avais vu aussi en forme de cœur, mais je trouve qu'en forme ronde, comme ça, avec le nœud, c'est encore plus beau. Je voulais vraiment la faire en pastel, et j'y suis bien arrivée à faire mes couleurs pastel. Je suis contente du rendu. Voilà, j'ai fait un dégradé de pastel, le couvercle est trop beau. Bon, là, vous voyez, il y a un petit trou, mais c'est pas très grave, ça se voit pas. Et j'ai mis mes perles pastel, du coup, dans le nœud, donc je les ai toutes mises, j'en ai plus. Mais je trouve que le rendu est trop beau. C'est vraiment comme ça que je la voyais quand j'ai vu le moule, quand je l'avais mis dans mon panier. Donc voilà, Maryse, je te remercie. J'ai vraiment eu un réel coup de cœur pour ce moule et le petit gnome. J'adore. Et pareil, j'aime beaucoup les deux là. Celui-ci, bon, il faudra que j'essaye de le refaire sans mettre les détails. Et on verra. Ben, maintenant, il faut voir avec les autres hein, parce que j'ai pas su tous les faire. Mais voilà, donc celui-ci et celui-ci, je vais vous les ajouter dans le lot de Noël. Peut-être le nounours aussi, je vais peut-être me le refaire. Mais il fait vraiment peur avec ses yeux. Hein. Bon, après, de loin, ça va, hein, mais je sais pas. Ils ont trop espacé les yeux ou ils auraient franchement pas dû mettre les... Je sais pas si vous voyez, hein, c'est vraiment un rond noir. Enfin, un rond, et moi, j'ai mis en noir. Je pense qu'il vaut mieux ne rien faire, mais je pouvais pas effacer l'indélébile. Le nœud est super bien fait et les détails de fleurs sont bien faits aussi. Très joli. C'est juste vraiment les yeux qui pêchent, mais sinon c'est vraiment très beau. Voilà, je ne sais pas, celui-là je vais voir pour l'instant, on verra, mais je vais vous mettre le petit chien et celui-là dans le concours de Noël, et voilà, maintenant je vais pouvoir aller ranger ça autrement, enfin ça je vais laisser là comme ça, enfin mon gnome à moi, et je vais certainement mettre le nounours avec par ici. Et là je vais voir avec Chéri pour qu'il me fasse des étagères, j'ai trouvé des planches de bois qu'il n'a pas utilisées pour le jardin. Donc, je vais voir. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends en haut pour vous montrer le fond d'automne en haut. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à tout vous montrer. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que ça. Mais c'est déjà pas mal. Alors, je vais vous montrer en détail. Ici, j'ai mis mes deux petits bouts avec trois grosses citrouilles. Alors, c'est des d'Halloween, normalement. Hein. Mais je les retourne. On les retournera dans l'autre sens pour Halloween. Là, j'ai laissé comme c'était pour l'instant. J'ai retourné le E que Laurie m'a fait avec ses filles, puisque il y a un côté vraiment automne-hiver et un printemps-été. J'adore. J'ai mis le Bambi en résine que Maryse m'a fait ici. Donc, il s'allume. Il ne faudra pas que j'oublie de l'allumer pour la vidéo, si ça ne se casse pas la gueule. Voilà, c'est trop beau. Avec mes branchages que j'avais fait il y a un long moment. Voilà. J'ai rajouté ici une tige, c'est de l'eucalyptus, je crois. Ici, j'ai mis mon autre Bambi avec une autre branche et un truc d'eucalyptus derrière. Je crois hein, que c'est de l'eucalyptus. J'en ai remis une ici et trois citrouilles. Et mon Bambi tout doux que Chéri m'a offert. Mes trois Bambi à paillettes ici. Hein, ils sont là tous les automnes. Et j'ai mis en dessous ici. Alors ça fait pas très automne, mais je l'aime trop. Donc voilà. Voilà. Ah, le chien boit, je vais voir si c'est pas le facteur. Donc non, c'était pas le facteur. Je vous montrerai la palette, on la découvrira ensemble. Donc voilà, dans les moules qui me restent de Maryse, bon, il y a celui-là que j'aimerais bien faire. J'ai une idée de déco avec. Ça, c'est une petite Noël. Il y a celui-là que j'aimerais bien faire, le panier de fleurs. Faire un truc comme ça. Peut-être le plus petit, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'il faut que j'économise ma résine pour Halloween et Noël. Il y a la plume aussi, que j'aimerais bien faire. Celui-là aussi, mais bon, je ne peux pas tout faire. Vous n'avez pas encore un autre que j'avais dit que j'aimerais bien essayer. Le Bambi. Ah oui, c'est le Bambi. Il est où, Bambi? Je ne sais pas où il est. Il est peut-être rangé dans mon autre boîte.
ici encore la fleur. Oh là là. Il y en a trop, Marie. Il y en a trop. Ah oui, ça aussi, c'était une jolie boîte, je crois. Je suis en train de vous montrer n'importe quoi. Bon, il faut que je fouille. Je sais pas où il est le Bambi, mais voilà quoi. Il faut que j'économise ma résine. Parce que j'ai encore toutes les décos d'Halloween à faire en résine et de Noël. Et j'aimerais bien me refaire un kitsune pastel, un dragon dans l'œuf pastel. J'ai envie de faire plein de trucs en pastel. Je sais pas pourquoi je suis à fond dans le pastel. Donc, voilà. Marise a fourni plein de moules, mais pas la résine. Ah. Faudra que j'en recommande. J'ai plus de place. Je sais plus où tout mettre avec sa grosse caisse de moules. Bah écoutez, voilà. Moi, je vais vous reprendre ouais, quand le facteur sera là. J'ai quoi là-dedans? Ah merde, j'ai encore toutes ces petites déco là. J'ai plus où tout mettre. Là, je vais regarder un peu pour le lot du concours de Noël. Il serait temps que je regarde ce que j'ai. Je vais rien racheter de plus, hein, mais je crois qu'il y a déjà pas mal dedans. Donc voilà. Et ouais, je vous reprends en bas quand le facteur est passé, comme ça on découvre ma palette ensemble. J'ai trop hâte de la voir en vrai, celle-là. Alors, il est 11h15 et le facteur vient de passer. J'ai trop hâte de voir à quoi elle ressemble. Très bien emballée. Donc je l'ai commandé sur le site de Monolith, qui est un site suisse, donc presque 12 balles de vrai topor, n'est-ce pas? Alors déjà que la palette est 60 balles, et ça fait cher la palette. Mais voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté et j'avais vraiment craqué dessus. C'est pas le plus gros craquage de la semaine, hein, vous me direz après le calendrier d'avant. Si vous entendez un bruit de soufflerie, c'est mon PC, j'étais en train de jouer. Super bien emballé, trois fois du papier bulle, plus le papier espèce de journal là dans le carton pour bien la protéger. Et il met un petit paquet de bonbons, donc Georges va être content. Voilà, voilà, et on va pouvoir découvrir ça. Est-ce qu'il y a le poids qui est noté? Non, j'ai pas vu l'info circuler sur le site. Donc c'est la Sugar and Spice de Glaminatrix Cosmetics, donc je l'ai jamais testé. Oh là là, très quali le packaging, il fait un effet simili cuir comme ça, très soft, hein, mais c'est très quali. Et il n'y a aucune information sur le grammage. Donc je peux pas vous dire. Oh, c'est beau. Alors vous allez voir qu'elle ne paye pas de mine comme ça. Donc vous avez un grand miroir, on s'en fout. Et voilà, il y a 15 fards à l'intérieur. Donc là vous avez tous des mats vraiment. Il y a des bruits chelous. Les couleurs de base, hein, blanc, beige, gris, taupe, noir. Et vous avez le petit jaune ici, le mauve et le vert qui sont mats. Et tout le reste, c'est des métalliques. Duochrome, multichrome. Celui-là, j'ai trop hâte de le swatcher et de l'utiliser. Je ne sais plus lesquels sont multichrome, mais on verra ça pour le swatch and make-up. J'aimerais bien qu'elle fasse un peu mieux le focus, hein, le petit appareil là. Elle est fatiguée. Hein. Voilà. Oh, oh là 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 là, j'ai hâte. Et ça, c'est clairement le genre de palette que j'adore vraiment pour utiliser tous les jours. Vous savez pas quoi faire, ben, vous faites tout le temps la même base en fait. Vous pouvez mixer avec le coin interne mat une couleur différente et à chaque fois vous changez votre multichrome. Ah oui, là on voit, je sais pas si vous voyez, il tient rose. Et celui-ci, est-ce qu'on voit? Celui-ci, il est bleu mauve. Duochrome bleu mauve. J'ai trop hâte de tester ça. Voilà, on va voir la qualité. Je mets pas mes petits doigts dedans. Moi j'irai faire les swatchs tout à l'heure. Tout à l'heure, hein, tout simplement, mais j'ai vraiment trop hâte de tester ça. Ah, dépend de moi. Voilà, ça faisait longtemps qu'une palette m'avait pas fait envie comme ça, et là c'était le restock. Hein. Elle est déjà out of stock, hein. Une heure après, il y en avait déjà plus. C'est ça le problème, c'est qu'il faut bien suivre le site parce que ils ont pas des grosses rentrées de produits, mais ils restockent de temps en temps. Et là, elle est partie en 2-2, quoi. Je suis une noix toute floute, hein. C'est un truc de dingue. Je suis floute. Au moins, ça vous épargne mes rides et mes cernes. Genre, ce matin, il me dit, oh là là, t'en as des cernes. Mais non, voyons. C'est juste une impression. Mamie va très bien.
Ouais, je suis épuisée. Alors, j'ai reçu un mail il y a une heure, même pas, pour me dire qu'on recevait des meubles de salle de bain aujourd'hui. Je sais déjà pas à quelle heure, et ça veut dire que je vais devoir faire ma sieste dans le canapé. J'ai encore vu ça. Je dors pas bien dans le canapé, hein, mais il faut que je me repose de toute façon. Là, je vais manger, je vais devoir dormir. Et je sais pas où on va les mettre. Voilà. Mais au moins, on reçoit les meubles. Avant-hier, on a reçu le robinet. Je voulais pas montrer, chérie, il a déjà rangé. Bon, c'est un robinet. Hein. Sinon, vous verrez une fois que la salle de bain sera terminée. J'ai une mouche collée sur l'écran de ma télé. Bon, bizarre. À mon avis, c'est une qui arrive, qui a s'envolé du collant là et qui s'est retrouvé collé sur ma télé. Donc voilà. Moi demain, je vais faire ça. J'ai reçu la boîte à clopes de Georges aussi. Je vais commander une boîte à cigarettes. Essayez en métal. Alors je pensais pas que c'était en métal. Il est assez du métal très fin. Hein, mais regardez comment ce qu'elle chauffe. Hop. Voilà. Il va s'amuser avec ça. Je ne sais pas si elle tiendra longtemps. Hein, mais, par contre, c'est assez souple. Vous voyez, pour l'ouvrir. Donc bien la mettre comme ça, si vous la mettez en poche, enfin en poche c'est peut-être pas l'idéal, mais elle risque de s'ouvrir dans son sac, ou non, lui il les met en poche. Enfin bref, il va être content, c'est lui qui l'a choisi, mais voilà. Et juste, on a commandé ça sur AliExpress, qui a mis beaucoup de temps à venir d'ailleurs, hein, parce que ça fait au moins 2 semaines que je lui ai commandé. Ouais, je lui ai commandé à la rentrée. On en a vu chez Action, mais en plastique, hein, mais on en a vu chez Action, des boîtes à cigarettes comme ça. Donc là, j'ai pris pour mettre 20 clopes, vu qu'il a droit à 15 par jour, donc voilà. Je pense, là, je vais manger, faire une sieste, parce que je suis crevée, j'ai pas beaucoup dormi. Et je pense qu'après, en attendant DHL, parce que c'est DHL qui livre le meuble, je vous montrerai un peu le jeu. Voilà, je sais qu'il y a un live, je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu, non, vous ne l'aurez pas encore eu. Samedi, vendredi, on sera un live sur le jeu, voilà, j'avais mis un sondage et c'est le jeu qui est ressorti, ce qui m'a beaucoup étonné. Mais du coup, comme ça, je vous montre quand même un peu en vlog pour ceux que ça peut intéresser. Franchement, moi, je vous le conseille à 10 000%. Il a détrôné tous mes autres jeux, il est excellent. Maintenant, j'attends de voir s'il y a une fin ou pas, parce que ça, je n'ai pas l'info, ou si ça va être voilà, s'ils vont faire des mises à jour avec des nouvelles quêtes une fois qu'on arrive au bout des quêtes. Il me semble que j'ai lu quelque part que ça serait des add-ons. Alors là, ça sera certainement payant encore, j'achèterai, hein, on est d'accord, mais voilà, mais il y a tellement de choses à faire dans le jeu. Là, je viens de commencer la deuxième année, j'entame la pile la deuxième année de jeu. Donc, je suis à presque 60 heures de jeu déjà. Depuis le 8 qu'il est sorti, donc même pas en une semaine. Hein, j'ai geeké, hein, j'ai geeké sévère, sévère, sévère. Bref, donc je vous montrerai un peu le jeu tout à l'heure. Voilà, si on est au calme, hein, parce que je ne sais pas Enzo à quelle heure il va rentrer. Bon, de toute façon, après, si, même s'il rentre tout, il est en haut, lui, donc... Donc voilà, et demain j'aurai plus qu'à vous donner le planning de la semaine prochaine. Et c'est tout. Pépé, elle vient de s'allonger sur le petit rayon de soleil qui est dans la cuisine. Faut que je dise aussi à mes hommes de rentrer la pergola. Parce qu'elle s'étend en fait, hein. C'est elle qui s'étend et qui me la remette en plus petit parce que là ça me cache le soleil. On en a déjà pas beaucoup. Il fait vachement froid aujourd'hui comparé aux autres jours. J'espère que ça va se réchauffer un peu là. Après, c'est peut-être la fatigue, hein, aussi qui me fait faire que j'ai froid. Enfin, que j'ai l'impression d'avoir froid à ce point-là, mais j'ai pas chaud. Voilà. Bref. Donc, je vous reprends tout à l'heure sur le jeu. Alors, il est 17h. Je vous prends sur mon jeu. Alors, attendez, il faut que je coupe la cam du programme. En fait, je vous ai pris tout à l'heure après ma sieste pour. Très jeu. Allez. Et en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de diminuer la musique du jeu. Donc du coup, on ne m'entendait pas parler. Chose qu'il faut que je pense à faire pour quand on fera le live. Donc je vous reprends avec la caméra juste là pour filmer ma tronche que j'inclurai dans le truc et vous présenter mon petit jeu Fay Farm que je kiffe. Voilà. Franchement, j'adore. C'est devenu un de mes jeux
Enfin, c'est mon jeu préféré, il n'y a pas à chier. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il va donner, voir s'il y a une fin ou pas, s'il va y avoir du contenu supplémentaire, soit par mise à jour, du contenu gratuit par mise à jour, soit des add-ons. Ça, il me semble que j'ai lu quelque part qu'il prévoyait de faire des add-ons pour du nouveau contenu et tout ça. Donc, on verra bien. Là, vous voyez la map. Donc, j'ai débloqué tous les TP, les petits points bleus. Là, c'est tous les TP. Ici, c'est ma ferme. Encore une partie de ma ferme. Et là, c'est ma ferme féerique. Et c'est tout. Il y a tous les personnages. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. Ici, au port, par exemple, vous voyez qui c'est qu'il y a. Vous pouvez faire suivre pour les trouver plus facilement. Et tout ça, tout ça. Voilà pour la map. Donc, on va aller chez moi. Mais voilà. Je suis toute mignonne avec mes petits pompons et mes petites ailes. Là, je suis en train d'essayer de débloquer des couleurs parce qu'en fait, les couleurs, vous devez les débloquer en jeu. Là, c'est tous les meubles que j'ai installés pour chez moi. Oui, vous devez débloquer avec des ingrédients et tout ça au marchand par 6 couleurs, il me semble que c'est. Et là, c'est le grenier. Voilà, on s'en fout un peu. Mais je vous l'ai montré. Il y est. J'ai déjà amélioré ma maison 3 ou 4 fois. Et voilà. Il faut que je modifie ici tout ce qui est jardin et espace de travail, les cultures et tout ça. Là du coup, je vous avais montré comment je plantais mes légumes, mais ça n'a pas filmé. Voilà. Donc on va juste les arroser ensemble. Et je vais vous montrer, remontrer mes petits animaux. D'abord, j'arrose mes petites cultures. Mes petites flowers. J'arrose juste les pousses pour ne pas arracher les autres. Pour voir ce que j'ai. Parce qu'il me faut des fleurs spéciales. Je m'amuse avec les mélanges de fleurs pour l'instant. Pour faire des fleurs hybrides. Ben là, j'ai nouveau un lisse-rose. Ah, ça c'est une nouvelle. Oh, ça c'est une nouvelle. Ça c'est une classique, ça c'est une classique, donc ça je pourrais virer, enfin les bouger. Je les bouge en fait pour essayer de faire des fleurs, des nouvelles fleurs et tout ça. Au départ vous avez que les rouges, blanches et jaunes. Et les autres se débloquent quand vous débloquez le monde elfique. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai plus d'eau. Je suis en train de me demander ce qu'elle fait, elle se repousse en arrosoir. La peau. Bon, j'irai l'arroser après, je vais vous montrer ici mes poules et mes lapicotons. Voilà, vous avez les poules et les lapicotons qui donnent donc du coton et des œufs. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 6 animaux par ferme, je vais dire, et vous avez 2 espèces à mettre dedans. Donc là j'ai 3 et 3, de l'autre côté j'ai 2 et 2. Parce que de l'autre côté je m'amuse pour les espèces de vaches et de moutons, je m'amuse à faire avec les couleurs, donc ça prend un peu plus de temps. Oups, là. Ici un peu plus haut, une fois un peu plus tard dans le jeu, vous débloquez donc la grange pour avoir les autres animaux. Je surveillerai les voir ce qu'elle fait. Donc vous avez ici ces trucs tout moches qui sont des. Je ne sais plus. Les cornes laineuses, un truc comme ça. Et j'ai fait un petit bébé argenté. Voilà, un gris. Donc je l'appelais Grisou. Ici, c'est une vache améliorée aussi. Alors, ça ne s'appelle pas une vache hein, dans le jeu. Hein, mais enfin, c'est les chichous qui font du bruit. Je suis en train de me dire, on gratte à ma fenêtre. Mais non, c'est les chichous qui grattent leur carton. Donc voilà, je récolte. On va aller voir les noms. Ah oui, les vaches, c'est des mamous. Et les autres, c'est des cornes laineuses, je crois. Cornes laineuses et mamous. C'est cool. C'est trop chou. Hein. Et on va aller voir les animaux féeriques. Donc voilà, vous avez vu ma ferme. Ah bah avant, je vais vous montrer un peu le village humain, on va dire. Hein. Oh, une coccinelle. Attrapons la coccinelle. Donc vous avez la chasse aux insectes, la pêche, la cuisine, enfin il y a plein de trucs, quoi, les potions. Ici c'est le marché, donc vous avez tous les vendeurs ici autour, enfin tous, il y en a d'autres. Hein.
Et ici, c'est pour vendre vos trucs à vous. Donc là, j'ai rien à vendre, mais vous cliquez dessus et hop, on va mettre un œuf. Et voilà, vous pouvez mettre sur les 4 et j'en ai un donc de débloquer à ma maison en plus. Donc vous avez tout ça. Ici, celui qui améliore les armes. Le panneau de commande du port qui est plus loin par là. Mais je suis bloquée parce que j'ai accepté une que je ne peux pas remplir parce qu'il me faut du grenat brut et je n'en ai pas encore. Ah mais je peux en choper. J'ai débloqué la mine. Combien de temps j'ai pour faire la quête là encore? 13 jours. Merveilleux. J'irai farmer la mine après. Là je vous fais juste la petite présentation grosso merdo parce que on fait un live de toute façon vendredi prochain. Donc vendredi qui vient pour vous. Donc je pourrais plus vous expliquer en gros. Mais pour ceux qui ne regardent pas les live jeux parce que vous pensez que. J'ai arrosé ma fleur, donc j'y suis. Ah, mais, non, c'est là. Parce que vous pensez que c'est juste. Non, c'est ici. Que c'est juste du gaming. Je joue, oui, mais on discute de tout et de rien en même temps. Hein. Donc on va aller à la ferme magique. C'est un féerique. Et comme ça, vous savez, et vous voyez un peu le rendu du jeu. Donc là, c'est la ferme féerique. Je comprends pas pourquoi on a plusieurs fermes et qu'on peut pas... Ah, j'ai une maison, mais je sais pas laquelle. Ça, c'est la maison. Ça doit être George. Ou Chéri. Ça doit être Chéri. Et voilà les petits animaux magiques. Allez! Ça vous est trouvé? Ah, c'est toi? Oui. C'est ça, c'est bon. D'accord, pourquoi tu caches? Bah parce que papa il veut pas être sur les blocs. Ouais. Ça me fait trop rire. On arrive devant la porte, je vois un petit moineau sortir dans tout. Puis genre il passe devant moi tranquille, il se met son petit pot de fleur à côté, puis du coup je suis. Puis tout mais. Oh elle m'énerve même. Elle... Bon. Yo. Oh tu sais qui c'est qui vient de partir? Enzo? Noah. Non, Enzo est parti tantôt. Du coup, Noah qui est passé me dire bonjour, trop mignon, mon neveu. On voit un message, il me dit coucou les amis, je peux passer faire un bisou. Pas fou, pas fou. Putain, moi c'est ce matin. Attends, j'achève ça, je vais avoir fini, Georges. Je vais juste vous montrer encore un peu le village féerique et puis après je discute avec Georges. Vous avez vu la mère geek que j'ai quoi? Oh bah là, oui, pour geeker, je viens de regarder, je suis à plus de 60 heures de jeu en moins d'une semaine. Et après, on dit que c'est nous les geeks. Hein. C'est des trucs de fou. Bon, en fait, t'as fait que 60 heures de jeu en une semaine. Je crois que pendant les vacances, j'ai fait 200 heures de jeu en même par mois. Ouais, mais bon, j'ai d'autres choses à faire, moi, quand même, monsieur. Hein. Je fais pas que ça de ma journée. Moi aussi, je le vois. Même si je joue beaucoup, je fais pas que ça. Donc voilà le petit village féerique. Avec toutes les petites fées, les petites. Mais trop stylé la boîte. Ah, donc ça y est, t'as vu ta boîte? Vous avez aussi des marchands, puis vous pouvez discuter avec eux. T'arrives, tu fais. Tu sais me laisser finir ça 3 secondes. Vous avez vu, elle est trop stylée. Je l'aurais déjà montré. Ah merde. Voilà, vous voyez, vous pouvez ici acheter. C'est ici qu'on achète les fleurs de différentes couleurs. Pour vous amuser à faire des nouveaux hybrides. Et voilà. Toutes les petites trucs là, vous pouvez les capturer pour mettre dans votre truc féerique aussi. Tu sais que quand t'expliques un jeu, faut connaître les noms et tout ça. Parce que si tu dis, là tu peux acheter des trucs pour les mettre dans le truc et faire des trucs, bah, les gens vont pas trop comprendre. Il faut des RL, le chocou, je peux avoir des RL, moi. Voilà. Ah si, c'est les champignons, les RL. Je connais même pas le jeu. 60 heures de jeu en une semaine. Je connais même pas. Vous sentez le foutage de gueule, là Ouais, bon après, elle va pas dire que sur son ancien jeu, c'est qui devait descendre faire ses boss. Oui, sur Kena, c'est lui qui me faisait mes boss, parce que je suis nul en boss. Hein. Parce que moi j'arrivais, je les faisais du premier coup, elle passait 3 jours à essayer.
Ah, d'ailleurs, je suis bloqué sur Ken. Au tout début. Bah, bien fait. Non, mais c'est pour ça que je comprends pas. Bah, j'ai fait le premier boss où t'as eu besoin de moi, puis je suis bloqué. Genre, je peux pas détruire la plante. Bah, c'est qu'il te manque quelque chose. Faut que tu reviennes en arrière. Mais je peux pas. Genre, l'arrière est bloqué. C'est qu'il y a un sort à faire et que tu n'as pas vu. Ouais, les RL, je crois que c'est les champignons. Ah oui, mais c'est plus champignons de Paris. Ah, j'ai eu des champignons de Paris. J'ai eu des champignons de Paris. Voilà, vous voyez un peu les zones. J'en ai débloqué d'autres. Hein. Il y en a plusieurs, donc forcément. Là, j'ai le temple du feu là qui s'est débloqué, donc je suis occupée là-dessus. Et voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire la papote avec Georges parce que sinon il va me pomper. Te tromper, moi. Me pomper. Ah. Me tromper. J'ai compris, me tromper, j'étais avec quoi. Allez, demain, on se retrouve pour la clôture, le planning et tout ça, tout ça. Ce sera une clôture rapide. Et voilà. Donc, on se retrouve. Alors, il est 10h17. Ma belle-sœur vient de partir. Pourquoi il se met si foncé mon truc? Ah, bref. J'ai filmé cette vidéo. J'ai eu fini juste quand elle a sonné. Donc, voilà, c'est le swatch de make-up de la palette. Et oh my god. Je vous laisse. J'arrive. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ma belle-sœur est venue boire le café. Donc, voilà qu'elle part. Voilà, tout simplement. J'ai froid. Je suis complètement gelée. Donc là, je vais remettre mon t-shirt pour avoir un peu plus chaud. Je vais rattacher mes cheveux aussi. Voilà. Donc, ben, j'ai plus qu'à vous donner le planning. À vous rappeler aussi pour la promo Nox que je vous ai montré. Donc, vous avez 20% à partir de mardi avec mon code. Voilà, tout est noté en barre d'infos. Et vous recevez en plus le petit roll-on, enfin, qui n'est pas si petit que ça. Hein. Voilà, de ce parfum là qui sont divinement bons. Je l'ai mis pour aller chez la kiné lundi. Elle m'a dit oh là là, ça sent bon. Ils sont super bons. Et celui que j'ai pris là aussi, j'aime beaucoup l'odeur. C'est le 905. Voilà, petit rappel de Nox, c'est fait. Donc, le planning vidéo toute la semaine avec un live vendredi. Lundi, Alphabet Challenge R avec une raie. Ray, le poisson, non la raie des fesses, je précise pour les obsédés. Alphabet Challenge S le mardi pour sorcière, le swatch et make-up de cette palette, la Glaminatrix mercredi, jeudi la Fairy House d'automne, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de Fairy House et j'étais bien contente. Vendredi le live sur le jeu à 20h30, samedi les livres en résine et dimanche le vlog. Et voilà. Et c'est tout. Donc, ben écoutez, moi je vais clôturer là. Je crois que ce vlog est déjà bien assez long. Là, je viens de nourrir les chiens. Je dois... Non, les montages, je les ferai ce week-end. Demain, on va à ADM. Donc, on va en Allemagne avec Chéri pour aller chercher mon calendrier. On va certainement racheter des gels douche et tout ça. Donc, suivant ce que j'aurais pris. Je sais qu'on craque beaucoup sur les gels douche parce qu'ils ont des super odeurs. Ils sont pas chers et ils sont très bien. Je me gratte pas avec. Là, j'utilise un Révolution. Je me gratte à 100. Faut que j'arrête de l'utiliser d'ailleurs. Donc voilà, je verrai si je vous fais un haul ou pas, mais ça sera peut-être dans le live, dans le vlog, ou alors je vous le mets en plus du live vendredi, suivant ce qu'il y a, on verra. Voilà, parce que la dernière fois qu'on y avait été, on avait acheté 5 gels douche, je crois, il n'y avait pas grand chose, et on verra bien. Ben voilà, écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très 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 bonne semaine. On se retrouve toute la semaine en vidéo, n'oubliez pas la promo Nox. Pensez à vos cadeaux de Noël, c'est le moment. Et voilà. Donc moi j'ai plus qu'à vous dire bah, de vous abonner, si c'est pas encore fait, de liker la vidéo, de mettre des gentils commentaires, des mignons petits commentaires, je sais pas, mettez-moi des petites. En automne, mettez-moi un emoji d'automne, des bambis. Mettez-moi des bambis. Oh oui, plein de bambis. Et voilà. Donc moi je vous dis bisous bisous.